De tricher, on va demander les votes du public, mais j'ai pas ça. Mais non, non, mais tu rigoles. Rapidement, sur l'IRC, ils vont nous dire ce qu'ils en pensent. Voilà, sur l'IRC, qu'est-ce que vous en pensez là pendant qu'on revient? C'est un scandale, c'est un scandale. C'est Moi, je viens plus. C'est un scandale. Je suis vraiment vexé. Mais oui, joueur, attends, on joue mauvais joueur. Mais mec, moi j'ai perdu un tour, c'est normal. Toi, tu mais me t'as rends perdu pas un tour parce que t'as mongolisé des doigts. Bah, tu es fair play ou pas? Moi, là, t'es en train fair de. T'es en... Non. Tu es fair play ou t'es pas fair play? Il y a mais du fair play. Non, ou y a mais pas la mongolisation des doigts fait partie de. De lui, qu'est-ce que mongolisation des doigts? C'est le jeu qui est trop mal fait. Là, t'es en train de me bouffer un tour parce que j'ai attendu la publicité. Ok, ça va. Je passe le tour. Oh là, quel enfoiré, ouais, t'es un enfoiré. Je passe ce tour que dalle. La mongolisation des doigts, t'avais qu'à jouer ton tour. Mais c'était la pub, tu m'as dit d'attendre, sans déconner. Fallait pas m'écouter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je comprends mieux pourquoi tu perds jamais. Hein. Hey, le gomme ne perd jamais. Non, c'est tu vois, tout le monde dit que tu triches. Mais je triche que dalle. Ah mais tu m'aurais tué en plus. T'es vraiment une merde. Bien sûr que je t'aurais tué, c'était trop... Non et le mec il se sur-heal. Non mais franchement t'es trop un tricheur. Excuse-moi, j'ai joué. Ah j'aime pas ça la triche. Ah moi non plus, ça me dégoûte. Moi les gens qui trichent vraiment ça me... Non franchement t'es manque de classe. Total. Manque de classe. T'as pas été chic du tout. Là c'est trop un manque de classe. C'est vrai. C'est à toi. Un vrai gentleman. Non mais t'es trop... Franchement, tu veux que je te fasse un câlin? Non, je veux pas que tu me fasses un câlin. Mais tu viens de chia, on fait des coups de pute. Jamais. Alors là, jamais. Sportivement, on est les... c'était à jamais. Je te mets au défi de trouver jamais. 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 Par contre, ils aimaient bien être coupés à la moitié par la caméra. Excuse-moi, est-ce que tu peux. Je sais que tu boudes, que je peux pas te toucher. Oui, je fais du boudin. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Lol, elle a inversé sa position. C'est quoi ce move de merde? C'est comme ça, et puis c'est tout. Elle est pas fraîche, Maïlez. Un point. Quand tu seras tous à un point de vie, je les chasserai avec mon gros ton. Qu'est-ce que tu fais, hein? Lol, mais tiens, verse tout le monde, mais c'est quoi ce perso de merde? Je te parle plus. Ah là, mais tu fais vraiment du boudou, hein. Bob, il compense son incapacité physique à cliquer où il faut. Alors. Regarde ce que je vais lui mettre, Maïlez. Oh, Maïlez! Regarde ce que je vais lui remettre. Ça va être abusé. Non. Non, déconne pas. Yaha! Poum, allez. Trompette. Au suivant. Tu fais tuer par Madame Piu Piu. Alors, au suivant, ok. Toi, tu vas venir là, mon pote. Putain, mais je me suis fait tuer par Madame Piu Piu. Ou alors qu'on va aller là. Tiens, on va aller là. Je me suis fait tuer par Madame Piu Piu. Voilà. Hop. Mais là, je me fais tuer par des piou-piou. Tu vois, même en trichant, c'est le bon Dieu qui te punit. Mais ta gueule, toi, cette histoire de bon Dieu. Elle a bon dos, le bon Dieu. C'est le karma, ça. Ouais. C'est trop le karma, mon pote. Ce qu'elle disait ta mère hier soir aussi. C'est trop le karma, mon pote. Alors, attends. Si elle s'est fait attaquer de karma, ça va, quoi. Lui, on va rien faire de spécial. On va passer. Hop. Ça va, vous êtes bien paqué, là. Vous le sentez, là, quand vous êtes bien paqué? Allez, vous êtes bien paqués là, bien serrés comme des petites saloputes que vous êtes. Donne la main à Bob le Gob. T'as plus rien à faire. Vas-y, cours, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ah, zéro. Magnifique. C'est nul. Zéro, comme toi. C'est rigolo ce que je viens de dire, zéro comme toi, c'est marrant. Non, c'est nul. Voilà, hop, clic-clac Kodak. Lui, on va lui faire se déplacer un peu parce qu'il a pris des shoots. T'en vas pas, reste ici, on va rigoler. Non, on va faire un petit machin, un truc comme ça. Voilà, c'est tout. Lui, on va peut-être le bouger genre comme ça. Là. Voilà, pas trop paquet parce que sinon, hop. Tricheuse! Vieille tricheuse! Saleté! On devrait faire un vote. Si vous pensez que Bob est une tricheuse, notez la concentration de Bob qui est censé animer une émission. Et qui se dit... Alors là ce qui se passe dans la tête de Bob, c'est pas qu'il se dit « faut que je gagne ». Il se dit « putain, si en plus en trichant je perds, j'ai vraiment l'air con ».
Putain, je peux même pas taper dessus. Ah, putain, bien sûr c'est... que tu peux pas. Tout est pensé, réfléchi, agencé pour que tu sois Keblo, mon pote. Eh oui, mon pote à la carotte. C'est pas beau de tricher. Et voilà, tu tapes de 1. Allez. Je sais pas pourquoi, mais ce plus 1 m'a l'air avantageux. J'ai pas d'ailleurs, ce plus 1 là, j'ai pas compris ce que c'était. Du tout, moi non plus. Pas mais franchement, il est top. Hein. Tu vois, plus 1 machin max. Plus 1 PO max. Plus 1, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Flèche explosive. Oh, la boucherie. Hein. Oh, la boucherie là. Oh là, c'est la boucherie là. De toute façon, ça va être la bouche. Oh, 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 si j'avais pas perdu mon healer, je gagnerais à 100%, quoi. Là, je voulais le reculer, mon healer, mais... Oh, putain, si j'avais pas raté ce tour non plus en mongolisant ah ouais. Avec mes grosses avec friteuses... Avec les filles, on met Paris en bouteille aussi. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ce que je t'ai collé du cul, hein. Oh, ouais, je t'ai fait saigner, hein. Ouais, ouais. Hop, hop. Oh, 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 oh. Tricheur. Tricheur. Ouais, ça va. C'est bon, on a compris. On va le répéter toutes les deux secondes, tricheur. Tricheur. Qu'est-ce qu'il y a? T'es trop un tricheur, mon gars. Ça c'est pas bien. Mince. J'ai mis mon distributeur de flotte inter. Où est-ce qu'il est? J'ai perdu ma. Comment ça s'appelle le truc où on fout de l'eau dedans? Une tasse. Ah ouais, voilà, merci beaucoup. Ça a une importance qu'on soit de dos. Je me pose très sérieusement la question. Oh non, pas Madame Piu-Piu. T'as pas une touche pour les orienter, donc... Non, sans déconner, pas Madame Piu-Piu. Alors, on va faire un petit tofu, un deuxième petit tofu, parce que c'est bon pour la santé, ça fait pas de mal au sein. Hop. Madame Tofu, bonjour. Ensuite... Qu'est-ce qu'on voudrait faire d'assez cool? T'as vu toutes les flèches qui est en bas? C'est moi qui me suis entraîné sur ton cul. Où est-ce qu'on peut acheter, les gars, le truc avec les tofu, là, les points de GG, je sais pas quoi. Qu'est-ce les... que tu achètes, là? Attends, mais c'est quoi que tu achètes? Mais parce que j'ai assez de kamas normalement pour te tuer, là. Donc j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on achète les trucs pour tuer Bob. Trompe de tofu, c'est quoi, ça? Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Mais si, tu sais. Mais putain, mais on peut acheter des trucs. Plus 2 à votre prochain lancer de ce tour. Putain, mais ouais, mais franchement, faut le dire, ce genre de choses. Mais j'achète, moi, ça. Je les ai, c'est où les gold? Ils sont où, mes gold? 3. Toi, t'en as 21, toi. Allez, ciao, tricheur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Non, 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 tu vas m'expliquer. Qu'est-ce que tu fais, là? Comment ça, victoire? Bon, on se tape, c'est quoi ce jeu de fiottes? On se tape pas! Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux acheter. Je sais pas si tu peux ramasser des pièces dans ce jeu. Je sais pas si t'as vu, il y a des pièces qui traînent. Et après, si tu vas sur la case du démon, tu peux acheter des points de machin. Il depuis tout à l'heure, pourquoi je me casse. Tu peux acheter des points de victoire. Ouais, mais t'as triché. T'as triché, t'as été puni. T'as triché. T'as été puni par le karma. Voilà ! Après quelques mois, après avoir fait perdre Millennium en LCS, après avoir fait perdre Millennium en Coq League, j'ai réussi à virer Bob de son émission. Et ça, c'est quand même une grande satisfaction. Merci à moi. Alors, il ne me reste plus qu'à... À être cadré, déjà. À être cadré. Voilà ! Alors, maintenant, c'est l'émission de Drijoka. Je n'ai pas encore choisi ce que j'allais faire, mais je vais faire des trucs. Bah allez, viens, Bob, c'est pas grave, t'auras ta revanche la semaine prochaine. Tu vois, bien mal acquis, ne profite jamais. Il fallait pas tricher. Il fallait pas tricher. Qu'est-ce que je t'ai mis quand même, c'est abusé. Hein. Et voilà, donc quitter, défi, donc ça c'est bien, c'est dans les annales. Donc ce qui fait 1-1 et une égalité, vu que la dernière fois on l'a pas su. Donc il faudra faire la revanche la prochaine fois.
Ah, mais je suis bien content. Merci, GG, merci. Là, il t'a, merci, il merci. T'a violenté. Et oui, les gens sont pour moi, hein, quand même. Parce qu'ils savent que t'as triché. Faut pas tricher. Je fais que perdre en ce moment. C'est vrai, t'as perdu hier, t'as perdu aujourd'hui. C'est vrai. Et je vais humilier avec des tutes. Dans la gueule. Mais prépare ta bonne équipe pour la prochaine fois. Même sur Aston, en plus, tu perds en ce moment. Tu sens bon, dis donc. C'est vrai que je sens bon. Mmh. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu. Je vais te casser le cul. C'est déjà. Je demande ma revanche. Non, mais là, c'est Khazar maintenant. Non, on a encore dit. Je te prends League of Legends en Duel Now. Non, je ne joue pas assez à LoL en ce moment pour te prendre. Et moi, tu crois que je joue Duel Now? Non. Je veux ma revanche, on ne donne pas un homme baissé. Non. Allez, donne-moi ma revanche. Non. Il faut savoir partir sur une victoire. Oh, je suis venu pour faire un crossmaster, je fais un crossmaster, j'ai gagné, je me casse. Voilà. Donc maintenant, on peut meubler si tu veux. Moi, je m'en fous, j'ai gagné. Tu veux qu'on parle de quoi? Mais sois pas mauvais perdant comme ça, quoi. Ah, il est vraiment mauvais perdant. Fais péter une vidéo, ça fera diversion. Ça fera diversion. Et tais-toi. Toi aussi, tu vois rien. Vous êtes que de la racaille. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme vidéo? Eh bien, je te propose... Alors, attends, on va prendre une... Ah, est-ce que t'as passé aujourd'hui, je sais pas si tu t'as dû la voir, la Final Fantasy, le nouveau trailer? Je l'ai vu sur 9gag TV. Non. Non. Parce que je passe pas. Mais alors, moi, j'aime beaucoup la nouvelle bande-annonce de Edge of Ultron. Je suis assez chaud. Ouais, parce qu'en fait, du coup, vu que Jack était pas là lundi, à mon avis, il a pas pu nous la présenter. Bah, s'il était. Tu l'as écouté, celle-là est fantastique. Oui. Vu que Jack n'était pas là lundi. Il a pas pu nous la présenter. Voilà. Jack était à Atlanta. Du coup. Ça vaut pas quand même les forces du GIGN qui sont perchées en hauteur pour mieux voir leur cible. Alors là, ils sont sur des arbres. Hein. On me confirme qu'ils sont sur des arbres. Donc oui. Oui, donc vous êtes cachés dans la chambre froide et les terroristes ne vous ont toujours pas vu. Putain, mais quel nombre de retard, quoi. Pourquoi j'ai pas de son? S'il y a du son. Je sais. Si, mais c'est un son, tu sais, un peu... Pourquoi j'ai pas de son? Ce monde vulnérable. Il suivait Smite à Atlanta, Jack. A besoin de quelqu'un de plus fort que nous. Chacun crée ce qu'il redoute le plus. Ultron, en personne. Quel que soit le vainqueur, le combat n'est jamais terminé. Vous ne savez pas à quoi vous vous attaquez. Notre place n'est pas dans ce monde. Je te détruirai de l'intérieur. Oh non. Alors, combien de fois je vais l'expliquer qu'il faut pas taper sur Hulk? Jamais. Pour gagner contre Hulk, tu lui offres des fleurs. Et encore. Tu ne peux pas gagner contre Hulk. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Ah, si, dans l'espace. si. Comment il s'appelle? Non, non plus, ça marche pas. Si. Il y en a un qui le bute. Non, il n'y a personne qui le bute. Si, il y a quelqu'un qui tue Hulk. Si. L'espèce de... Celui qui parle au troisième mur, là. Deadpool. Deadpool tue Hulk. Dans... Ouais, si. Je t'assure. Et comment il le tue? Je sais plus, mais il le tue. Mais c'est le plus fort, Deadpool. Je vais vérifier. Deadpool ne peut pas tuer Hulk. Personne ne peut tuer Hulk. C'est Hulk. Deadpool. Non, mais WikiShazy va vérifier. WikiShazy va tuer un mythe. Est-ce qu'on a une autre vidéo, WikiShazy? Oui. Ah ouais, celle-là, elle m'a l'air bien, celle-là. Donc ça, c'est un truc à la con. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, en Thaïlande, en fait, pour fabriquer un récif naturel pour leur côte, ils ont décidé d'utiliser une technique assez simple. Ils vont commencer à balancer des tanks dans la mer. Oui, bien sûr. Pour créer un récif naturel. Moi, hier, pour faire mon repas, j'ai,
J'ai utilisé mon scooter. Ça me fait penser à la technique de pêche de Crocodile Dundee, ouais, pour les plus vieux d'entre vous. À la dynamote. Strange way to celebrate a royal birthday, not the usual kind flotte, of military ça, maneuver you would expect to see on such an occasion. Ah ouais. Allez hop. Into the glassy waters of the southern Thai Gulf, decommissioned army tanks are being unceremoniously dumped. C'est vrai qu'un tank, ça coûte and pas cher. If that wasn't enough, the 25 ah ouais, tanks ont, will be joined fait. On the seafloor by 273 old train carriages. And 198 ils font, ils le disent, voilà, c'est Deadpool qui le dit Marvel Universe. En fait, Deadpool tue tout le monde. Oui, c'est un truc délire. Even if the choice of materials In the case of the metal tanks, garbage trucks and train carriages, they will last over 20 years and in 3 to 6 months, fish will start to live there. The project came et, about after fishermen in the country's southern provinces wrote to Moi j'aime beaucoup celle-là, là. J'ai vu ce matin si on a une gag TV. Et sinon, ils c'est sont. Oui, alors. 2000 tapettes à souris et 2000 balles de ping-pong. Ah, c'est ce qu'on peut se mettre sur son écran. Oui. On n'aura pas le son du coup. Mais c'est pas grave, je crois qu'il n'y a pas besoin de son. Il n'y a pas besoin de son bah, je vous le mets directement là où c'est intéressant. Donc voilà. C'est Johnny, il prépare une salle avec ses potes. Ouais. Bon, ils se disent allez, bon là déjà, faut pas se chier parce que tu comprends que s'il y en a une qui pète, elle pète toutes. Bon, et puis après, ils s'installent pour faire des jolies vidéos, etc., machin. Donc là, ils font tomber une balle de souris, une balle de ping-pong, et boum, tout pète. Voilà. Et là, bon, là, tu te dis, c'est pas mal. Et en ils ont mis du fromage, pourquoi ? Pour l'esthétisme. Pour l'esthétisme. Et en fait, là, voilà, là, tu l'as en lumineux et tout ça. Et là, c'est assez classe, j'adore. Voilà, c'est totalement inutile, donc totalement indispensable. Donc il y a des gens qui dépensent des moyens pour faire ce genre de choses. C'est ça, j'adore. Et toi tu aimes ça, toi ? Oui. Tu te rends compte de l'inutilité de la chose ? J'aime. Moi, j'aime les gens qui construisent des soucoupes volantes dans leur jardin, des trucs comme ça. Ah j'adore, ouais. Moi. Je trouve que le monde serait plus beau si les gens étaient un peu plus dingues. Ah, ça veut dire que tu m'aimes bien, alors ? Oui. Ah, allez, mais tu m'as quand même niqué. Je t'ai battu. T'as vu, j'ai fait une super news qui... Voilà. Maintenant, c'est fait. T'as mis sur ton Facebook que je t'ai battu ? Alors, Pipo qui nous dit « S'étant au nombre de 25 ont été jetés dans la mer de la Thaïlande, ils étaient utilisés dans les années 80 par les Chinois qui les ont revendus aux Thaïlandais. A priori, on peut émettre des critiques en pensant que l'écosystème marin en sera bouleversé, n'est-ce pas ? Mais loin s'en faut. C'est pour lutter contre la surpêche dans un pays qui est menacé. Certaines espèces disparaissent, que l'autorité ait cette idée. Et le résultat prouve que l'initiative était bonne puisque les poissons s'y reproduisent beaucoup mieux. Dorénavant, on compte environ 400 fois plus de poissons sur la même superficie. Excellente idée. Mais c'est ce qu'on appelle des récifs artificiels. C'est les Japonais qui sont les plus forts là-dedans. Ils font des récifs en béton avec des formes particulières qui attirent certains types de poissons et tout. Mmh. Tu savais que les Japonais ont les eaux les plus poissonneuses du monde ? Parce oui, qu'en fait, il paraît que leurs poissons brillent aussi depuis 2-3 ans. Oui, bon, ok, d'accord. Mais ils pêchent très peu sur leurs côtes. Ils ont des quotas de pêche très stricts et ils pêchent quoi sur leurs récifs, tout Chine, ça. Il y a des endroits où ils n'ont pas le droit de pêcher pendant X temps. Le Japonais, il est bien, tu vois, tac, tac, tac. Par contre, ils vont bien pêcher chez les voisins. Ça, il n'y a aucun problème. Bah oui, mais ce qui me semblait, oui. Non, mais c'est les récifs artificiels, c'est pas vraiment que ça existe. Mais je tout, comprends pas pourquoi ils jettent des tanks. Parce que le tank, finalement, c'est de l'acier. Il y en a un peu beaucoup dans un tank. C'est une ressource qui est plutôt importante. Pourquoi pas plutôt faire des plots de béton ? Surtout qu'un béton, tu peux donner un peu les formes que tu veux. Et tu fous la flotte après. Mais surtout qu'au prix du métal, je me dis quand même, ouais, le tank recyclé, ça vaut quand même un petit peu de sous. Bah ouais, c'est pour ça que je comprends pas. I don't understand. On va prendre quelques blabla et IRC. Ensuite, on va voir Kazar qui va arriver pour les séries qui tuent. Est-ce que tu peux le joindre, voir s'il est dans le coin, s'il te plaît, Shazy ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Xanta ? C'est plus un à la portée quand tu es sur une caisse. Ah. 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 Hulk se fait tuer par Wolverine dans The... Ah oui, ça m'étonne pas non plus. Dans The Old Man Logan. Mais non, il peut pas se faire tuer. Mais ça, c'est des hors-séries de merde. Mais non ! C'est comme Deadpool tue tout le monde, c'est des hors-séries de merde. Il y a un canon de force, de puissance, de machin. C'est comme pierre-ciseau-feuille, quoi, tu vois ? Non, c'est des hors-séries de merde. Mais non. Tu vois, Deadpool tue Hulk dans
Dead Kill Marvel, c'est bon. Dead Kill Marvel, tu vois bien que c'est un bon délire. Oui. C'est juste un comique où Deadpool tue tous les membres de Marvel. Ce que je veux dire, c'est écrit qu'il est capable de les tuer, quoi. Ah ! C'est une caricature de personnage. Roberto Alagna. Très bien. Mesdames et messieurs, nous allons faire une courte pause. Et c'est qui vont commencer. On va se débarrasser de Drijoka, l'emmerde de couilles des AA que nous retrouverons jeudi pour le journal de League of Legends. J'ai fracassé. Tu seras là à midi jeudi pour le journal de League of Legends. Ouais, faut qu'on en parle. Comment ça, faut qu'on en parle ? Parce que c'est beaucoup deux fois par semaine. Oh, ça va, c'est rien du tout. Tu es heureux en plus de venir. C'est vrai. Voilà. Bon, Arrête de faire ça. Non, mais je dis, je serai là parce qu'il y a les LCS qui arrivent bientôt. Voilà, on va en parler. Voilà. Sur les deux fois, il y a une fois où tu le souilles entièrement sur un jeu. C'est vrai que ça, c'est particulièrement plaisant. C'est bon, que je t'ai mis. Je suis content. Je suis content d'avoir aiguillé ta vie. Je te rappelle qu'elle reste quand même merdique vu que tes atouts vestimentaires sont composés de chemises canadiennes. Allez, je pense que un jour, on partira de Marseille, ma vie sera mieux. Allez, je me casse, c'est bon. C'est méchant ce que tu viens de dire. Tu n'aimes pas ma ville ? Non. Tu n'aimes pas ma ville ? Non. Ou oh, tu n'aimes pas ma ville ? Non. Foiré. Tiens. Oh, c'était très sympa.